Chance d'être tombé sur moi, sinon vous auriez pu passer la nuit dehors. Elle pue sa mère la déco. Et vous vous appelez? Chose, enchanté. La chambre est à l'étage, je vous laisse. C'est une réunion importante avec mes confrères. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont l'air un peu cons vos frères. Non, quand je dis mes confrères, c'est mes compatriotes quoi. Et c'est tout à leur honneur d'être patriotes. Passez une bonne nuit si vous arrivez à trouver le sommeil, parce qu'à minuit la chasse commencera. C'est marrant, on chasse plus ce jour normalement. C'est marrant, oui. Bonne chance pour la chasse aux chausses. Comment ça, la chasse aux chausses? C'est parti, vous pouvez retourner les sujets, vous avez une heure pour faire ce contrôle. Ok, let's go, exercice 1. Stéphanie veut remplir sa baignoire de X mètres de longueur, Y mètres de largeur et Z mètres de profondeur. Ouais, petit gars, moi, vous savez, la philo, c'est pas mon truc, je vous laisse faire. Ça tombe bien, c'est des maths. Quoi? Depuis quand il y a autant de lettres en maths? Ah oui, il y a plus d'inconnus que de connus, là. Et attendez, j'ai une musique en tête, là. Mais c'est pas le moment! I'm blue, dabedi, 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 dabedi. Bon, faut... train va partir. Oh, je me suis encore trompé de mur. Mais non, c'était bien celui-là. Pourquoi on ne peut pas le traverser? J'ai bien ma petite idée. Vous ne passerez pas. Et commence à nous les briser, l'esclave. Je suis pas un esclave, fils de ton. Je peux arrêter de bloquer le mur. J'aimerais bien aller à Poudlard. Vous avez prévenu les trous de cul. Harry Potter ne doit pas aller à Poudlard. Bon, tu l'auras cherché. Maintenant, soit tu débloques le mur, soit je t'emmure. Quoi? C'est du bluff, faudra parler de tes prières. Mais tu vas te le prendre aussi, sale fou. N'en fais pas pour moi, j'ai l'habitude maintenant. Non, attends, on peut négocier, tu sais, on n'est pas obligé d'en arriver là. Si tu veux, je t'ouvre le mur à toi et au rouquin. Arrête, on va se faire aplatir comme des crèmes. Pas que j'aime pas les crêpes, au contraire, j'adore ça. Surtout quand c'est la daronne qui les fait, mais quand c'est moi la crêpe, c'est un peu relou. Non, vraiment, là, on se rapproche du mur. Tu croyais que j'allais pas te retrouver, chose? Ah, t'es toujours vivant, toi? Oui, mais c'est pas le cas de mon confrère Frédéric. Repose en paix, LEF. Pourquoi tu l'as monté contre moi? Peut-être parce que vous alliez me fumer. Effectivement, c'est une bonne raison. Mais ma mère, elle suce pas détruite. Ouais. Tu lui as menti, et notre secte n'accepte pas le mensonge. Par contre, les meurtres, c'est ok. C'est pas des meurtres, c'est des sacrifices. Ah bah, ça change tout. C'est autorisé par le règlement sacré. Ce livre unique qui réunit toutes les règles de vie de notre secte nourrit le vide dans nos vies et nous en apprend chaque jour un peu plus. Comment ferions-nous sans ce guide ultime? J'ai une réunion importante avec mes confrères. Parce qu'à minuit, la chasse commencera. Bonne chance pour la chasse aux chausses. La chasse commencera avec mes confrères. Ah, mais en fait, ils veulent me fumer. Oh, ça, maman. C'est l'heure du sacrifice. On va te goumer, grosse folle. Mais t'es débile ou t'es aveugle? Tu vois pas qu'il est pas encore minuit? Mais... ton collègue, il a dit, à minuit, la chasse commencera. Alors t'es gentil, tu respectes la tradition comme tout le monde ici présent et tu reviens à minuit. Bon, ça va être plus facile que prévu. C'est l'heure du sacrifice. Oh, qu'est-ce qu'il a pas compris, Chronos? Il est 23h. Quoi? Mais il est minuit sur ma montre. Tu l'as acheté où, ta montre? Poitiers. Et tu sais pas qu'il y a un décalage horaire d'une heure entre ici et Poitiers? Mon pauvre vieux, il avait raison, ton pote. T'es vraiment le boulet de la secte. Quoi? Comment ça, je suis boulet de la secte? Rémi, depuis quand je suis boulet de la secte? Mais t'es abruti ou quoi? On a dit qu'on donnait pas les blagues. Je donne les blagues si je veux, surtout quand on m'insulte. Et il a dit que ta mère, elle se s'est détruite aussi. Quoi? Je vais te tuer, Rémi. Du coup, qui t'a sacrifié quelqu'un, autant que ce soit lui, non? Bon, faut qu'on se ressaisisse là. C'est bon, tranquille, la prof jamais elle va noter ça. Personne n'a compris le sujet de toute façon. C'est marrant, ils sont tous en train d'écrire pourtant. Bon, c'est pas grave si on réussit pas à l'exercice 1, on passe au 2. Exercice 2, à l'aide des résultats trouvés à l'exercice 1, établissez la matrice de... Eh merde! Eh, quand même incroyable, Magali. Ah, on est d'accord. Ses yeux, ses cheveux, sa voix, son gros boulard. Wow! Respecte! C'est quand même la future mère de nos enfants. Ouais, enfin, on lui a toujours pas parlé, je vous rappelle. Tranquille, on n'a pas encore eu l'occasion de faire connaissance, mais ça va se faire. Ça fait 7 mois qu'elle est dans notre classe. Bon, on peut revenir à l'exercice. Attendez, attendez. Quoi? Dabedi, 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 dabedi. Bon, stop. Faut se concentrer, les petits gars, on est en contrôle, je vous rappelle. Eh, vous avez remarqué, à chaque fois, c'est Stéphanie dans les exercices. Bah ouais, c'est le nom de la prof en même temps. Elle va pas chercher très loin. Oui, bah, commence à me casser les couilles, la Steph. Quoi? Non, c'est pas à vous que je parlais. Ah bah tu vois quand tu veux. Oh mince, on dirait que le train part. Ton père le footix. Voilà, quelle heure? J'avais dit quoi? Prochain qui parle, il prend un sort. Bon, comment vous allez l'équipe? Non, je rigole, je m'en fous. Bon, il est où Harry Potter là? Monsieur, il m'en poussironne chose. Ah bah au moins une bonne nouvelle. Bon, après le banquet, je vais aller chercher Harry Potter parce que sans lui, on est dans un merdier si Voldemort revient. Héron est chose. Non, personne va chercher chose. J'avais plein les fesses de lui. Partout où il va, il se passe une dinguerie. Alors une année sans chose, c'est une année sans foutu. Décidément, on a du mal à la passer, cette marche arrière. Ma baguette. Vas-y, Harry, n'est pas... guide ultime. Mais qu'est-ce que t'as fait? Il brûle vite, ce briquet. Problème résolu, pas de règlement, pas de sacrifice. Fils de foin, fais tes prières. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je mets une musique joyeuse. Mais pourquoi? T'as déjà vu quelqu'un se faire tuer sur une musique joyeuse? Bah non, c'est bizarre. Bah voilà, nickel alors. Arrête ta musique. Voilà, plus de musique. Oh, qu'est-ce que tu fais encore? Je me mets en slip, ça se voit pas. Mais pourquoi? T'as déjà vu quelqu'un tuer quelqu'un en slip? Bah non, c'est trop bizarre. Bon bah voilà, super. Allez, bonne nuit. Ok, très bien. Mais si le couteau m'échappe des mains comme ça, ce sera juste un accident. Loupé. Merde!